Salut José, voici le film que je t'ai promis. Je le fais rapidement, mais en espérant que ça va te servir et que tu arriveras bientôt à bien l'utiliser. Je te réponds donc à des questions que tu m'as demandées. Je te laisserai faire les montages ad hoc. Et donc, pourquoi l'aviation? Bah, simplement parce que pour moi, c'était le but d'aller voir les montagnes que tu vois ici derrière, qui sont ces super montagnes suisses que je vous encourage tous à venir voir un jour. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs tous. C'était un rêve depuis longtemps, et maintenant ben, ça va se concrétiser en allant encore un peu plus loin. Bon, moi c'est pas en tant que pilote commercial, c'était pas mon but. Par contre, je continue ça en tant que passion avec des avions de l'armée de l'air suisse qui me seront bientôt disponibles, et on peut faire des vols ici. Et ça me permet de comprendre encore plus les choses et d'aller vraiment assouvir ma grande passion. J'ai découvert l'aviation avec Charles Lindbergh quand j'ai connu son histoire, ce qu'il avait fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la salle qui était à son nom chez vous, chez LM. Et Pascal n'a pas manqué d'ailleurs de m'immortaliser toute son instruction. Donc ça fait même un petit clin d'œil à l'histoire. Et puis par rapport à LM, si je vous ai choisi, ben simplement parce que vous êtes une école qui a oublié le formel pour le plaisir de l'aviation, tout en gardant une haute sécurité. Et avec vous, j'ai vraiment vraiment pris un plaisir énorme avec les instructeurs. Enfin, avec mon instructeur en particulier, c'était Pascal, Rémi, qui m'a fait découvrir les plus grands zigzags que j'ai jamais connus au décollage depuis Mascouche. C'était des grands moments avec vous, et j'espère que je pourrai bientôt revenir, d'ailleurs, pour continuer à partager un petit peu de temps avec vous. Alors, merci encore pour tout ce que vous avez fait, et j'espère que ce petit film pourra t'aider. Voilà, allez, je te remontre encore mes montagnes. C'est celle-ci qu'il faut venir voir. À plus.